Bonjour, je m'appelle André Papillon, je suis professeur titulaire à la faculté de musique. J'enseigne ici depuis 1984. Au départ, j'étais chargé de cours en flûte traversière, c'est ce que j'enseigne toujours, mais j'ai eu d'autres responsabilités là, au cours des siècles. Maintenant, j'enseigne donc la flûte et je suis responsable des cours d'analyse et d'écriture pour les trois premières sessions du baccalauréat en musique et en enseignement de la musique. C'est deux enseignements qui sont très, très, très différents, parce que l'enseignement de la flûte, c'est de l'interprétation, c'est de la création. Et l'enseignement théorique, bien, c'est une toute autre approche, parce que j'enseigne en groupe une matière qui a la réputation d'être rébarbative, mais j'essaie de prendre les étudiants par la main dans tout ça, puis leur montrer que même avec un crayon, on peut faire de la musique. Au cours de mes nombreuses années ici à la faculté, j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses. Donc, je connais bien la faculté sous plusieurs angles. J'ai été directeur de programme pendant une dizaine d'années. J'ai été doyen de la faculté pendant 3 années. Alors, j'ai vu comme l'arrière du décor. Comme directeur de programme, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette expérience-là, c'était de voir à quel point tout le monde est vraiment dévoué à l'évolution des programmes. Hein, nos programmes sont toujours en train de s'adapter aux besoins de la profession. Ça s'adapte également au changement générationnel, parce que c'est une réalité. Alors, c'est un travail qui se fait en continu. C'est lent, c'est laborieux, mais ça vaut toujours la peine. On est toujours très content des changements qu'on apporte au programme, des évolutions qui se font. Cette évolution-là se fait dans des comités de programmes qui sont paritaires, c'est-à-dire où les étudiants sont représentés en même nombre que les professeurs. Alors, ça, c'est un avantage extraordinaire. Comme doyen aussi, bien là, j'ai vu le côté administratif, puis là, ça change complètement les contacts avec les étudiants. On voit d'autres aspects là, de leur réalité. Alors, ça permet de mieux comprendre ma fonction de professeur maintenant, et puis ça me permet de mieux comprendre également ceux qui ont à diriger la faculté. Alors, c'est une expérience très, très globale que j'ai eu la chance de vivre, et puis ça fait juste augmenter mon attachement à la faculté.